Et du féminisme en Haïti, on ne saurait se passer de Madeleine Sylvain Bouchereau, Alice Gaout et Fernande Bellegarde. Cependant, il y a pas mal d'autres femmes qui ont su apporter leur support à l'épanouissement de ce mouvement. Leur travail mériterait d'être connu. C'est en ce sens que nous vous présentons, dans cette bio-racontée, Mireille Neptune Anglade. Née en Haïti le 1er janvier 1944, l'année même où les femmes ont enfin eu le droit de se présenter aux élections. Et décédée le 12 janvier 2010 aux côtés de son mari et certains proches, elle est économiste, militante féministe et intellectuelle haïtienne. Elle a aussi fait ses études en Haïti et a épousé Georges Anglade. Au tournant des années 69 et 70, elle et son mari sont obligés d'exiler au Québec, où, des années après, ils ont eu ensemble deux filles, Dominique et Pascal Anglade. En 1986, Mireille Neptune Anglade complète des études de doctorat à l'Université Paris III en France. La même année, parut sa thèse de doctorat avec pour titre L'autre moitié du développement à propos du travail des femmes en Haïti. Livre dans lequel elle présente les femmes comme pièce maîtresse de la subvention nécessaire à la bonne marge de l'économie haïtienne. Dans la mesure où, pense-t-elle, en plus de travailler pour gagner de l'argent, elle travaille aussi pour les hommes, alors qu'elle gagne beaucoup moins qu'eux. En guise d'argument, elle écrit... Et je cite, en faisant les frais de toutes les dégradations économiques de l'ensemble national et en assurant un important travail invisibilisé, les femmes assurent le transfert aux hommes des ressources de vie et de survie. Les femmes assurent, en plus de la production domestique, la production marchande. Donc, elles ont plus d'heures de travail. Ces heures ne sont pas comptabilisées et elles gagnent moins d'argent. Elles ont moins de loisirs que les hommes. Elles sont carrément exploitées. Étant l'un des travaux les plus remarquables sur la problématique de l'intégration, socio-économique des femmes. Pour citer Jeff Destinville, ce livre a eu d'importants impacts sur le mouvement féministe international. Cependant, le travail de madame Mireille Anglade ne s'arrête pas là. En 1995, elle participa aux travaux préparatoires de la conférence de Beijing, la quatrième conférence mondiale sur les femmes, ayant marqué un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Elle a mis ses compétences d'économiste et de chercheuse au service des femmes haïtiennes, tant sur le plan politique que dans les affaires. Aux côtés de Marlène Rateau elle participa activement à des manifestations organisées par des groupes de femmes faisant partie de la communauté haïtienne de Montréal. Elle participa toujours à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Entre 1995 et... Et en 1996, elle a œuvré pour la réforme du Code civil haïtien. De 2009 jusqu'à sa mort le 12 janvier 2010, elle a été la présidente de l'IPOUFAM, Ligue pour l'Empowerment des Femmes, sans oublier qu'elle est une des cofondatrices de cette organisation. Mireille Neptune Anglade était très appréciée dans la communauté haïtienne de la diaspora, au Québec ainsi qu'en Haïti. Elle fait partie de ces femmes que nous, les Haïtiens, plus précisément les femmes, ne doivent jamais oublier.